On a déjà une petite réaction après cette qualification, cette belle qualification tout de même. Ouais, c'est vrai que de toute façon, voilà, il n'y a que la qualif qui est belle à la fin d'un match de coupe. Donc voilà, en plus les circonstances ont fait que émotionnellement, voilà, on a dû s'accrocher jusqu'au bout, on a dû se battre tous ensemble. Et voilà, ça a apporté ses fruits parce qu'on a réussi à maintenir ce petit but d'écart qui nous offre la qualif. Puis toi, tu joues pas beaucoup depuis le début de saison et là tu marques un but décisif. On imagine que tu es heureux ce soir. Ouais, après bon, on a mis deux buts décisifs, c'est bon, il y a celui de Quentin aussi, parce que s'il n'y avait que le mien, ça ne servait à rien. Donc voilà, mais après bon, le but c'est bien personnellement, mais bon, il y a le travail de l'équipe derrière pour maintenir les buts d'avance et c'est ça qu'il faut retenir, c'est le travail collectif. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton maillot? Bah en fait en début de match on a tous eu deux maillots et bon, j'avais posé les deux à la mi-temps sauf qu'il y a dû avoir un petit changement sans que je m'en aperçoive. Du coup j'ai mis le maillot à la mi-temps et c'était pas le mien en fait. Donc voilà, on m'a appelé sur le banc en urgence un peu pour que je vienne changer. Bon bah du coup ça m'a libéré un peu et ça tombe bien, après j'ai pu marquer juste après. Oui, en plus Jocelyn Gourvennec nous a dit que peut-être que si t'avais pas changé de maillot, t'aurais été au premier poteau et pas au deuxième pour reprendre ce ballon. Ouais, après c'est voilà, on le saura jamais, mais bon, ça peut servir de belle anecdote et de belle histoire, donc on va la retenir comme ça. Bon, Jocelyn Gourvennec nous a aussi dit que c'était du Titi Argelier ce que tu venais de faire. Ouais, bon après c'est. Bon, je pense pas qu'il y ait de méthode de Titi Argelier. Ça aurait joué plus régulièrement et être plus régulier que voilà, maintenant. Moi, c'est vrai que ça fait toujours plaisir quand même. C'est un peu comme l'année dernière où j'avais remarqué sur mon premier match quand je revenais. Donc c'est bien, mais bon, l'essentiel sur ce soir, c'est la qualif. Comment tu le vis ce début de saison? C'est un peu frustrant, c'est sûr. Parce que bon, voilà, j'ai commencé. Après, bon, c'est les choix du coach. Donc c'est frustrant un peu de ne pas pouvoir participer plus régulièrement au championnat. Maintenant c'est voilà, encore une fois c'est les choix du coach, voilà, donc je travaille et puis bon bah quand on me demande de jouer ou quand il faut que je joue et je donne ce que le meilleur de moi quoi. Ça a marché ce soir, voilà. Merci beaucoup Thierry, bon retour.